Le prince Harry et Meghan Markle ont deux enfants ensemble, leur aîné est Archie Harrison. La présence du duc et de la duchesse de Sussex au couronnement du roi étant encore inconnue, des questions se sont posées quant à savoir si, le couple y assistait, nous pourrions nous attendre à voir les deux enfants du couple. Il est très peu probable que Lilibet Diana, âgée de 19 mois, fasse une apparition en raison de son jeune âge, mais cinq raisons semblent suggérer que Archie sera introuvable non plus. L'une des raisons pourrait être la position des deux enfants dans la lignée royale de succession. Archie et la fille du couple, Lilibet Diana, sont actuellement 6e et 7e dans l'ordre de succession. On ne s'attend pas à ce qu'ils deviennent des membres de la famille royale travaillant à plein temps, car leurs parents ont reculé en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020 et vivent maintenant aux États-Unis. Un autre indice que Archie ne fera pas d'apparition au couronnement est que lorsque les parents Meghan et Harry se sont rendus au Royaume-Uni en tant que famille de quatre pour le jubilé de platine de la reine en juin 2022, aucun de leurs enfants n'a fait d'apparition publique. Ils sont donc susceptibles de rester dans les coulisses si la famille se rend au Royaume-Uni pour le couronnement. Une troisième raison est que le jour du couronnement est aussi le 4e anniversaire des Archie. Son jeune âge pourrait également expliquer son absence, car les jeunes membres de la famille royale assistent rarement à de telles occasions historiques. Charles a bien assisté au couronnement de sa mère en 1953 alors qu'il avait 4 ans, mais cela s'explique par le fait qu'il était l'héritier du trône. Sa sœur cadette Anne, âgée de 2 ans à l'époque, n'était pas présente.